Yon l'autre fois, go, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Mediana là, depuis Mombad de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager ou intéressé ou, pas oublier abonner avec Mombad Mediana et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Mombad Mediana là. Bien, nous va pas perdre du temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. Et environ 10 prisonniers mourus, 4 policiers blessés, ils ont saisi plusieurs armes. C'est bilan, ils ont tentative d'évasion qui t'a faite dans la prison civile Kouadebouquet pendant le week-end. La police a fait connaître un prisonnier qui a eu un M4 dans la main qui tapait vide balle sous tout le monde qui gagne à l'état prison. Affrontement qui t'a fait hier dimanche 2 janvier entre base craché du fait et Belé la cause probabilité 10 personnes perdu la vie pendant le week-end. Information fait qu'on ait plusieurs autres monde qui sont blessés. Inspecteur police Jerry Toussaint qui s'est petit de fait sénateur Danny Toussaint mourit en bas balle bandit pendant le week-end. Bandit dans la zone Thomasin. Tire coup de zam sous patrouille inspecteur qui tombait dans l'embuscade yote tan pour lui. Inspecteur a vu une longue liste policiers qui mou victime en bas mes bandits dans pays a yon moun mouri de l'autre blessé dans la ville Gonaïve pendant week-end célébration 218e l'année d'indépendance là. C'est résultat gros coup de zam qui tapé tiré tribord à bord entre la police et monsieur Rabotoyo qui pas de premier ministre là vine dans ville Gonaïve. Entre-temps, c'est avec un pile difficulté aller Ariel Henry premier ministre haïtien arrivé quitter ville Gonaïve côté il était obligé à bail discours, il a fait discours occasion dans Mipana côté li lancer appel bail à tout le monde pour mettre tête ensemble yon gens pour capable sauver pays. Rapidement, mais journal là en détail, gagné pour pipiti 10 prisonniers qui mourit dans prison civile Kouadebouquet. Il y a 4 policiers qui blessés. La police a saisi plusieurs armes. C'est mouvement qui t'a fait dans prison ça pour prisonniers qui ont été sauvés qui la cause incident ça l'irrivé. D'après une note, la police mettait dehors plusieurs unités spécialisées dans la police nationale d'Haïti qui étaient intervenues dans la prison civile de Kouadebouquet suite à une tentative d'évasion qui était produite vendredi 31 décembre 2021. Plusieurs agents unités spécialisées, parmi eux GIPNH, SWAT Team, corps d'intervention avec un maintien d'ordre Simo, unité direction centrale police là et BRI. BLVV, BLTS, yo tout est déployé dans le périmètre ça et dehors, en courant dedans, prison pour être capable de stopper tentative ça. D'après ça, vous avez un prisonnier qui a gagné un fusil M4 dans la main, yo est arrivé neutralisé, qui fait que pas de gagné plus victimes pour qu'on ait l'ordre rétabli. Il y a une enquête qui l'ouvre dans le cadre des affaires ça pour qu'on ait comment le passer d'après notre PNH, la meilleure information. Au fait qu'on est que c'est pas seulement les policiers qui ont dit stopper, la police a utilisé le terme stopper, ça veut dire les touiller, ils ont pas voulu dire touiller eux-mêmes, ils ont dit stopper, ils ont prisonnier qui a gagné un fusil M4 dans meni, mais bilan yo d'après dernière information qui vient yo gagné 10 moun 10 prisonniers qui a mouri et puis gagne 4 policiers qui ont même blessé dans cadre d'incident là qui a passé et puis gagne 6 âmes responsables ta saisi d'après yon bilan la justice juge de paix qui t'a fait constat mettez dehors. N'a pas plus de détails sur information ça dans journal qui a venu après. Même j'ai tout gagné un affrontement qui fait hier dimanche 2 janvier dans Badelma entre base craché du fait Belé qui la cause pour pipiti 10 moun n'a perdu la vie et ça passait dans Badelma. Nous connaissons que gen yon et conflit qui existait entre base craché du fait qui nan Badelma ak moun nan Belé qui pa jam suspend nan victime en bas mais monsieur base craché du feu que barbecue a pu diriger, yo mette du feu plusieurs fois, boule plusieurs cailles, boule moun tout vivant dans zone si là et ça passe
passé plusieurs fois déjà et en pile la bilan fait en sous incident ça mais pas gagné en quelle disposition tout bon vrai qui prend pour protéger moun nan Belè yo. Et ben ailleurs encore te gagné affrontement entre Belè ak base caché de fait bilan 10 pour petit perdre la vie plusieurs autres blessés d'après ça information yo fait connait plus détail dans journée hein, puisque et jusqu'à présent poko jam gen la paix qui établit dans Badelma. Inspecteur police Jerry Toussaint, qui s'est petit de fin, ancien sénateur Dany Toussaint, qui mourit en babal, bandit, pendant week-end, bandit dans zone Thomasin, tiré coup de zame sur patrouille inspecteur Atelier, et c'est une embuscade qui était tendue pour patrouille là. Malheureusement, inspecteur a, lui, succombé en bas blessé, lui, sa vie longé, lisse policier qui victime en bas main bandit, en dedans, pays. Dans samedi qui était 1er janvier 2022, premier jour de l'année, c'est 218e anniversaire et indépendance du pays. Mais le premier ministre Ariel Henry est venu avec une délégation ministérielle pour te venir assister TDOM qui était pour chanter dans l'occasion ça. Un pile coup de zame qui t'a tiré depuis la veille et même avant pendant 3 jours, ville Gonaïve était tourné théâtre yon scène de guerre côté gros coup de zame tapé chanté. Et ben dans occasion gen yon moun qui mouri, gen deux autres qui blessé, c'est bilan incident ça qui rivé dans ville Gonaïve samedi 1er janvier 2021 côté te gen pile coup de balle qui t'a tiré dans de là dans mitan ville là. Yves Diogène qui c'est yon nan gros responsable escouade démocratique en département Latronit là qui mouri en bas balle samedi 1er janvier. Porte-parole escouade démocratique là Paul Giro Jean-Baptiste Lagué la ça sous dos monsieur Rabotoyo qui t'a tiré en pile coup d'am avec la police devant cathédrale ville Gonaïve là il fait qu'on est yo pas gagné yon goud nan men yo pour faire funérailles là et yo mandé pour gouvernement à aider yo dans situation ça nous invitons côté déclaration Paul Giro qui c'est porte-parole escouade et côté gagnon membre escouade c'est Yves Diogène qui mourit dans incident qui t'a passé devant cathédrale Gonaïve là nous invitons côté là PM Ariel Henry vin Gonaïve côté pas souhaité pour 218e année indépendance de santé et bien PM Ariel Henry vin obligé Gonaïve ça fait nèg yo aigri et bien tout le monde qui c'est partisan PM Ariel Henry tout le monde qui c'est partisan escouade démocratique ou après journée jodi a y a persécuté nous partout dans pays. On voit que militants escouade démocratique qui n'en Port-au-Prince qui est difficulté. Nous même qui parlons ensemble avec vous là, nous en difficulté. Et bien tout militant qui n'en Gonaïve, qui n'en département la Tibonite, tout militant ça yo en difficulté. Et bien journée jodi a nèg pas ça pour faire quoi nous gain Idiogène qui c'est responsable département la Tibonite dans cadre mobilisation tout ça n'a fait dans la Tibonite et bien nèg yo assassiné. Journée jodi a yo pas une balle l'enquête. Balle ça, nous sert une balle ça, yo porter la ville aller. Côté actuellement, on n'a pas avec vous là. Nous, Yves Diogène, non, Mog, Negotouille. Eh bien, nous dit tout le monde, escouade démocratique, pas dans fait, c'est dans nous en deuil, je ne dis pas là. Yo, assassiné tout militant qui est ensemble avec nous. Eh bien, je ne dis pas, nous dit tout le monde. Escouade démocratique, son plateforme politique qui a des organisations, des partis politiques en non. Eh bien, cap défendre peuple là. Cap défendre tout ça qui n'a intérêt peuple. Eh bien, c'est une raison qui fait, nous demandons à tout le monde, battre chien, c'est temps de mettre. Eh bien, nous parlons pour qui raison, pour c'est tout le monde qui est dans l'escouade démocratique, parce que l'escouade démocratique a défendu le peuple, a défendu pour ne pas gagner les gens qui mourent à gauche à droite. Nous saisissons tout pour nous, ouais, il y a des séries de gens, plaisir, c'est dans dire à bloquer telle zone. Plaisir pour nous démontrer que vous êtes chef, c'est dire telle zone, c'est sous responsabilité. Ou après, qui a demandé sécurité dans le pays. On a demandé sécurité, il dit que les gens qui sont capables de faire des consultations dans les affaires de sécurité dans le pays. Tandis que ces mêmes gens qui ont porté des cartouches aller, qui ont porté des armes aller, eh bien, je ne dis pas que les gens qui sont capables de content. Par exemple, je dis que PM Ariel Henry n'est pas capable de venir. Gonaïve, eh bien, PM Ariel Henry est venu. Gonaïve, eh bien, ça va empirer mon problème.
Et bien le fait que ça va y avoir un problème, et bien ça y fait, il dit, faut faire façon pour obliger tout de trois monde. Et bien là, tout le monde ne pas tenir compte. Malgré que c'est avec PM Ariel Henry qui a un problème. Mais il n'y a pas tout le monde qui proche PM Ariel Henry. Il n'y a pas tout le monde qui est dans la délégation. Et bien, ça y fait, il y a tout le n'importe monde qui est dans la mobilisation. Et bien, nous avons Yves Diogène qui est responsable de mobilisation pour le département de la Tibonite. Il a assassiné. Et pour le coordonnateur général, là, qui c'est Miro Pierre André, en tristesse pour le moment là, il n'y a pas comme ça pour le faire. Nous, même au niveau de la squadre démocratique, il a appelé Miro Pierre André, qui c'est coordonnateur départemental de la Tibonite. Il y a une difficulté pour répondre avec question nous là, parce que Yves Diogène, c'est un monde qui est important en pile dans l'escouade démocratique dans la Tibonite. Nabdi, nous même au niveau de l'escouade démocratique, Nabdi avec famille Yves Diogène, escouade démocratique ensemble avec lui, c'est pour la patrie du travail, c'est pour la démocratie à triompher qui fait le perdre la ville, Nabdi obligé de rester soudé avec famille Yves Diogène, et Nabdi tout avec PM Ariel Henry. Équipe PM Ariel Henry a pour toujours été soudé avec tout militant qui perdit la vie dans quatre batailles pour la démocratie dans le pays. Je ne dis pas c'est idiogène. Demain, si Dieu veut, c'est que nous voyons l'autre. Dans ce sens, ça pour le cas de sécurité qui est dans le pays. Pour que les gens soient contents de laisser les gens mourir. Pour que dire oui, c'est moi-même qui est responsable de telle base. C'est moi-même qui est responsable de telle zone. Ou après, les gens qui étaient dans la zone jubilée, à marcher tirer coup de zame. Dans la zone commissariat, tirer les âmes, zone Madankolo, jusqu'à ce que Yves Diogène, qui était responsable de délégation, qui a sorti Balatibonite, dans tout bus qui a sorti dans Balatibonite, Yves Diogène, c'était le monde qui était responsable pour faire les gens venir, pour mobiliser les gens, pour accueillir PM Ariel Henry, et bien je vous dis à Négio Touyel. Vous avez écouté la déclaration Paul Gitro, Jean-Baptiste qui est un membre, c'est porte-parole escouade qui est un membre qui mourit en Babal samedi, qui s'est passé à là, dans l'occasion visite Premier ministre Ariel Henry. Dans ville Gonaïve qui était venu pour te venir participer dans célébration 218e l'année indépendance sans pays d'Haïti. Winter Etienne qui c'est porte-parole la mouvement nous c'est révolutionnaire. Quoi c'est une victoire yo remporté dans bataille ap mené contre premier ministre là qui rentré en cachette d'après lui dans ville Gonaïve. Winter Etienne annoncé yo pral rentrer dans un autre mouvement qui s'est forcé premier ministre là quitté primatia en côté déclaration Winter Etienne na micro collaborateur non Alan Etienne. Il vient d'entrer l'église à la cachette de l'église, on est respecte tout le monde la ville pour l'église catholique qui décevra d'autour par rapport avec accepter l'accepte criminel comme ça on est capable qui dans notre complicité avec bandit dans votre presse et puis pour monseigneur avec toute vitesse accepter mon ça rentre dans l'église. Alors que monsieur Kongede moun ki nan mitan yo, peut-être un petit péché yo fait, yo excommunié yo, alors que gros assassin ça, gros criminel ça qui a fait kidnapper dans votre presse, qui a fait kidnapper dans tout le pays, yo accepté criminel ça rentrant dans l'église là, pour yo faire messe pour yo. Le peuple apprend note de tout ça qui passe là. Et nous-mêmes, comme nous t'a dit, il n'y a pas entré, j'en rentre à l'autre cachette, il passe, par contre, ce qui filait le passé pour entrer dans la ville là, par contre, comme il complicité, il y a un mitan nous là, comme il complicité dans la ville là, qui fait le cas entrer, mais nous dit, nous annoncer, ouais, nous te dit pas la bingo live. Maintenant, il va laisser le pouvoir. Il doit laisser le plus vite que possible. Sinon, ce sera le déchoucage total capital. Quand on prend déjà paré, à cahier de paréle, c'est mal préparé, on cap préparé, le déchoucage total capital jusqu'à ce qu'il rêve, quitte le pouvoir, même j'en couille, et quitte l'église à consale par le courrier, quitte le pouvoir, il va même guetter en fait. Nous pas un jour, nous pas un jour. Là, commencer jusqu'à ce que monsieur quitter, courir, même j'ai couru dans le télévisa pour le courir de pays. Mais nous connaissons une bataille maintenant, son bataille politique liée tout. Nous c'est révolutionnaire. Mais c'est révolutionnaire. Autonnez-moi, révolutionnaire. Révolutionnaire, par contre, nous avons été langue à pièces vacabondes, pièces volées, pièces capitalistes, déchirées.
n'a pas avancé pour nous dire révolution qui a continué. Il y a grand monde jusqu'à présent aujourd'hui qui vivent, qui pas même mon petit pension dans mer. Il y a des jeunes qui ne pas à l'école, mais pas à payer l'école, pas à payer moi payer l'école. Ça pas qu'à le travail, il y a pas fait commerce, et pas 25 000 gouttes pour faire le commerce. Chaque monde a besoin minimum 250 000 gouttes pour le faire commerce. Et ça pas qu'à le travail. Et nous dit, mine nous y a, faut y exploiter. Ou tape côté Winter Etienne qui se porte parole mouvement nous c'est révolutionnaire un mouvement qui établit Basli dans quartier Raboto c'est un bas gros coup de balle mais dans l'occasion 218e anniversaire indépendance pays a célébré dans l'église cathédrale l'an samedi 1er janvier 2021 depuis bien bonheur dans samedi la police avec soldats l'armée d'Haïti était déjà occupé place d'Ama Gonaïvla à Kekari qui entoure cathédrale là, Takouri Fab Jeffra à Kari Clevo, la police était bloquée quelques zones pour contrôler sécurité périmètre officiel yo dans zone 8h dans matin cortège là qui était gain premier ministre Ariel Henry docteur Enol Joseph qui c'est ministre défense là ministre intérieur Litz Kittel ministre justice là Berthaud Dorsey et yoté rentré dans l'église là vite en présence sans présence en public chorale l'église là qui au même habituellement qu'on là pour célébrer et messe dans occasion te gagne seulement 4 prêtres catholiques ak évêque catholique Gonaïve là et monseigneur Yves Marie Payan plusieurs coups de balle t'a tiré pendant tout déroulement messe là qui pas te duré longtemps ça qui était la cause gros qui cassé sous finissement messe là en dedans l'église là te gagne en pile policier ak soldat qui te gagne gros âme dans main pour te bailler sécurité ak officiel qui était là yo tout riche dans mitan centre ville Gonaïve te était vide à cause gros coups de balle qui t'a pété tout partout dans obédi évêque circonstance là évêque Yves Marie Payan te fait dans circonstance là mandé pour gagner la paix avec dialogue pour établir sécurité dans pays a monsieur a plaidé journée samedi 1er janvier en faveur tolérance pour permettre à peuple haïtien rejoindre tranquillité d'esprit en côté déclaration Yves Marie Payan dans occasion au milieu circonstance pour ce jour mémorable du 218e anniversaire de notre indépendance. Je voudrais, en tant qu'évêque du diocèse de Gonaïve, vous formuler des vœux de paix, de santé, d'amour et de prospérité. Cœur posé pour nous toutes, c'est pour faveur à cœur posé grand maître là, tomber sur nous toutes, m'a imploré sur nous chaque bénédiction grand maître là. Sous toute responsable dans le pays, sous toute fidèle diocésain nous yo, et sous tout peuple haïtien. C'est pour bon Dieu, grand maître là, bénis nous bien bénis. C'est pour le bas nous force, pour le kembe nous ferme dans le combat à la vie. C'est pour bon Dieu, grand maître là, bénis-nous, pour le faire nous joindre cœur posé. C'est pour le faire nous vivre dans une entente sincère qui sortit dans un dialogue franc, inclusif, respectueux et permanent. C'est vu ça, m'a adressé à nous toutes, frères et sœurs bien-aimés. Dans toute paroisse et dans toute chapelle, nous yo. C'est vœu ça, m'a adressé à tout le monde en haut et bas, Tibonite, là. À tout frère et soeur, nous yo, dans le pays. Je vous souhaite, du plus profond de mon cœur, une année de paix, d'amour, de pardon réciproque et de réconciliation. Une année de dialogue constructif, de consensus
de recherche sincère et patiente de solutions porteuses d'avenir pour notre pays, de progrès social et économique. Une année d'amélioration de la qualité de la vie, une année riche en réconfort, en consolation et en bénédiction de toutes sortes. Nous voulons prier particulièrement pour les malades qui sont cloués sur leur lit à l'hôpital, pour les personnes à mobilité réduite, pour ceux et celles qui souffrent physiquement ou moralement, pour les personnes abandonnées et qui se sentent découragées. Nous prions aussi pour nos frères et sœurs qui sont frappés par des épreuves de la vie, et plus particulièrement pour ceux et celles qui sont touchés par les calamités et qui portent encore les séquelles du tremblement de terre dans le Grand Sud, de l'insécurité, des kidnappings, des viols, des vols, du stress, de la peur, des meurtres. Nous prions également pour les jeunes, anxieux et inquiets de leur avenir, pour les chômeurs, les gens qui ont faim et les pauvres de toutes sortes. Chers frères et sœurs, aujourd'hui encore, dans une conjoncture lourde de tension et de douleur, et malgré la nombreuse turbulence et les aléas de la vie, le 1er janvier représente encore beaucoup pour nous, haïtiens, haïtiennes. Voilà pourquoi nos familles, pauvres ou riches, tiennent encore à ce grand rendez-vous du premier jour de l'an pour en faire un jour de prière, de méditation, de retrouvailles familiales, un jour de fête. Au tap, côté déclaration, Monseigneur Yves-Marie Payan, lui-même qui t'a parlé dans l'occasion 218e anniversaire indépendance pays. Premier ministre haïtien qui t'a gagné en pile problème pour lui t'a présenté discours li by nation en ville de Gonaïve samedi 1er janvier 2021, t'a couru quitter l'église Saint-Charles-Borromée en bas gros protection agent sécurité qui t'a gagné en pile la difficulté et en bas beaucoup de balles là qui t'a tiré. Premier ministre là t'a quitté ville la Gonaïve pour entrer dans Port-au-Prince côté littéral déposer un jeb fleur dans Mipana et c'est là tout il t'a profité prend la parole pour faire connaître li pa pè li pa couri li pa pè Madiga. Premier ministre là qualifié de terroriste moun qui gen zam nan men yo cap terroriser population hein, li annoncé l'état de respecté dans pays là. Premier ministre là t'est tout parlé sous économie qui a pédé pas fini en côté un bout dans la déclaration premier ministre Ariel Henry. Déclaration ça il était fait dans Mipana après il était fini quitter ville Gonaïve samedi 1er janvier 2022. Hier nos ennemis étaient les colons, les esclavagistes, leurs commandeurs, souvent des congénères, hélas. Jodia, l'ennemi nous, l'ennemi peu haïtien, c'est bon terroriste qui pas hésiter à servir avec violence pour tuer monde à toute sang-froid, pour kidnapper, pour retirer liberté, pour violer et faire tout ça pour l'argent. Je dis à l'ennemi peuple haïtien, c'est moun qui a volé l'argent l'État, c'est moun qui a fait contrebande, qui dérefusé payer la douane, c'est moun qui a fait magouille pour dormir sous DGI et empêcher l'État joindre moyen
pour répondre aux revendications du peuple. Je dis à l'ennemi République d'Haïti, c'est le monde qui a cherché à enterrer la démocratie. Le monde qui a passé la loi en bas pied et puis méprisé toutes règles nous mettait pour nous bien vivre ensemble. L'ennemi peuple là, je dis à c'est grand goût Clorox, c'est la misère, c'est l'inégalité. 2021 a été un anus horribilis pour le peuple haïtien. En ce jour de célébration et de communication nationale et de communion nationale, je ne veux pas ressasser nos malheurs ni les calamités qui nous ont frappés cette année. Mais nous ne devons pas passer sous silence l'assassinat du président, ni le tremblement de terre dévastateur qui a ravagé le Grand Sud, ni les crimes des terroristes, et ni plus récemment le drame survenu au Cap-Haïtien. En 2022, le combat des Haïtiennes et des Haïtiens authentiques est celui de la recherche de la cohésion nationale, de l'unité, de la stabilité et de la réconciliation. 2022 doit marquer la fin des égoïsmes, des animosités et des luttes sans grandeur. 2022 doit être l'an premier de la reconstruction durable de nos institutions démocratiques. 2022 doit voir un retour à un fonctionnement normal de notre pays, à la libre circulation des personnes et des biens à travers le pays. En 2022, nous devons voir Haïti retrouver un environnement propice pour l'organisation d'élections libres, honnêtes et démocratiques et pour la relance de notre économie. Il y a un pile monde qui toujours a parlé de refondation nation et qui t'a aimé ouais, nous faisons une véritable rupture avec mauvais pratiques. Comportement qui mène pays à dans situation malouque, l'y trouver l'air. Madame dit donc, comportement qui mène pays à dans situation malouque, l'y trouver l'air là-dedans là, et qui fait un pile monde perdu repère, yo, avec toute valeur morale qui s'est potomi dans toute société. C'est pour atteindre cet objectif et pour me remédier à l'état de fait subventionné que j'ai entamé dès les premiers jours de ma prise de fonction, une démarche de rassemblement et de dialogue. J'ai travaillé avec de nombreux partis et regroupements de partis politiques et des organisations de la société civile. Nous sommes parvenus à un consensus historique entre des groupes qui auparavant s'affrontaient politiquement. Cette démarche a débouché sur la signature de l'accord politique pour une gouvernance apaisée et efficace de la période intérimaire. À tout l'autre mounio qui partisant l'autre solution, l'autre initiative, moi, je voulais dire, jodian, l'heure pour nous chita, pour nous parler. Nous devons agrandir le consensus dans l'intérêt patrie commune. Je convie toutes les filles et tous les fils de la nation à regarder dans la même direction, à reprendre la stratégie unitaire de nos ancêtres qui les a conduits à la conquête victorieuse de 1804.
Voilà, on t'a écouté un bout dans intervention Premier ministre Ariel Henry 1er janvier 2022 après les fins quitté ville Gonaïve dessous ça il était fait dans Mupana et c'est là où t'a tant de Premier ministre là qui a lancé appel by toute l'autre monde qui en dehors pouvoir pour yo mettre tête ensemble yon gens pour capable permettre que pays a sorti dans sa lit journée aujourd'hui te gagné environ 20 détenus qui joignent libération yo vendredi 31 décembre 2021 dans ville Saint-Marc pour commissaire gouvernement Saint-Marc là mettre Moïse Deristin moun sa yo pas de gagné gros charge qui était pesé sous tête yo et puis gagne pile là-dedans yo li dit li yo pas joindre dossier yo ni dans paquet ni dans prison chef paquet a mettre Moïse Deristin profiter dit action ça poser tout dans l'idée pour combattre détention préventive prolongée dans prison civile Saint-Marc là nous invitons à écouter déclaration mettre Moïse Deristin dans micro collaborateur nous Milsa Madius passer devant juge pour entendre eux et nous même dans niveau juridiction Saint-Marc et moi-même de conseil ensemble avec doyen tribunal civil et tribunal là nous t'aurons li nécessaire pour que nous te vini dans prison dans le jour qui passait pour nous te consacrer deux jours de travail pour nous te garder pour qui raison nous ça pas jamais juger nous te relever des cas correctionnels que nous-mêmes nous organiser déjà correctionnel spécial côté que moun sa yo tant de yo et gena yo qui libéré et consacré là et tout qui condamné et soupe donc l'aide et peine épuisé pour yo jeune libération yo que ça tout gen des moun que nous pas jeune vinn dossier pour yo dossier parfois égaré même dans niveau paquet et ben nous te wali nécessaire étant donné que nous c'est pas des cas qui trop graves. Moun sa yo, c'est pas des moun qui n'en prison pour viol, c'est pas des moun qui n'en prison pour assassinat, pour meurtre, mais pas n'en prison pour séquestration, pour enlèvement, ça nous est le kidnapping, non? Donc, nous gardons infraction, de conseil ensemble avec les autres acteurs, n'est-ce pas, du système, plus particulièrement le doyen du tribunal, et maître, Noyer Pierre-Louis Massien, eh bien, nous te dressons une liste, qui ont vingtaine de détenus, et que nous venons en prison là jeudi, qui c'est vendredi 31 décembre, pour que Mounsa yo, yo joue libération yo, pour yo al passer fête là, donc avec famille yo. Comme ma plus profite occasion pour me dire, que souci premier ministre justice là, et premier ministre là, c'est combattre la détention préventive prolongée. Voilà, vous avez écouté, maître Moïse, Deristin, lui-même qui c'est chef paquet tribunal première instance Saint-Marc qui t'a parlé de prisonniers, 20 prisonniers ont libéré pendant fin année parce que nous ne sommes pas de gros charge contre eux et pas joindre dossier ni dans paquet ni dans prison. Responsable MEDA doit mounio mettre Michelet Dorgil a dressé un bilan sombre pour année 2021 qui s'est passé là côté il dit que c'était une année catastrophique, il dénonçait ingérence communauté internationale là qui violait droit moun dans pays là et puis il dénonçait tout phénomène de sécurité qui finit avec population. Michelet Dorgil a dénoncé zak kidnapping qui c'est yo bagaille étatique pour tendre déclaration Michelet Dorgil dans journal Capvinien. Porte-parole la communale la parti politique a nagona ifrit Desi déclaré bataille là a continuer pour arriver juste en 7 février 2022 en façon pour faire respecter concession. Fils Desi dit après 7 février 2021 mandat premier ministre Ariel Henry about. De l'autre côté Antoine Senob qui c'est une à la tête en mouvement nous c'est révolutionnaire la guerre sous d'autorité locale yo qui est responsable ça qui passait dans ville Gonaïve ensemble avec le ministre défense Tainol Joseph qui c'est monde Gonaïve responsable mouvement révolutionnaire a dit demander excuse à Kati Machanio à cause yo té bloqué activité yo pendant finissement année 2021 côté Machanio pas capable venir mener activité yo à cause gros coup de zam pendant 3 jours qui t'a chanté dans toute ville Gonaïve. Voilà, et merci avec tout le monde qui t'est branché pour t'es capable d'attendre des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier de vous abonner avec chaîne là.
et toujours songer pour activer petite cloche là. Les nous lagon vidéo pour capable joindre nous son babé zap chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde, une agréable soirée si c'est matin, bon matinée.